Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 135, LED carré, et on va transformer un strip de LED en carré de LED. C'est parti. Oui, vous ne pouvez pas le voir, mais aujourd'hui la lumière que j'ai ici, elle vient de deux projecteurs halogènes de 400 watts qui bouffent beaucoup d'électricité. Et pour essayer de résoudre ce problème et avoir une lumière correcte tout en consommant un petit peu moins, j'ai commandé sur un site un strip de LED, un transformateur et un dimmer. Et vous allez voir ce qu'on va faire avec. C'est super simple. Pour info, 5 mètres de strip de LED, alors les prix sont super variables, mais là ça m'a coûté à peu près 6 euros. Le transfo m'a coûté à peu près 4 euros et le dimmer à peu près 5. Donc en gros, un budget global de 15 euros pour une lumière carrée comme au Cinoche. C'est la première partie, parce que là on va construire l'électronique. Et dans la deuxième partie, donc un autre épisode, on va construire le cadre et le pied. C'est parti! Comme expliqué précédemment, on va utiliser un strip de LED de 5 mètres. Celui-ci a été commandé sur Deal Extreme pour environ 6 euros. C'est un strip de LED bas de gamme, mais ça devrait suffire pour notre montage. Commandez sur le même site un petit transfo qui va modifier votre courant 220 volts alternatif en courant continu de 5 volts. On a aussi besoin d'un câble pour le brancher, ainsi qu'un dimmer pour faire varier l'intensité de la lumière. Quelques câbles récupérés sur une vieille alim, une pince coupante, une pince à dénuder, et c'est parti. On va d'abord tester l'installation avec seulement le transfo. Pour ça, on dénude le câble d'alimentation, on le fixe au transfo et on connecte le strip de LED en respectant la polarité. Le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Et pas l'inverse comme je viens de le faire. On branche donc tout ça dans le bon sens. Great success! On va maintenant tester en intégrant le dimmer, qui va venir s'interposer entre le transfo et le strip de LED. On dénude donc deux câbles pour connecter le transfo au dimmer. Et on relie le dimmer au strip de LED. Là aussi, la polarité est indiquée sur le matériel. On branche le tout, et voilà, vous pouvez régler l'intensité de vos LED via le potentiomètre du dimmer. Maintenant que nous avons testé avec succès le fonctionnement du système, nous allons construire notre LED, notre carré de LED. La majorité de ces strips de LED sont sécables, ce qui veut dire que l'on peut les couper. Attention, pas n'importe où, mais ici, environ tous les 5 cm, vous avez une pastille qui va vous permettre de souder les câbles. Il vous suffit donc de couper au centre de cette pastille pour pouvoir ensuite les souder les uns aux autres. Nous allons donc découper ici les segments de 20 cm. Découpons ainsi les 5 mètres en 25 sections avec nos ciseaux. Ces 25 sections vont ensuite être collées sur un papier cartonné à l'aide du scotch double face déjà présent sur le strip de LED. Je vais coller toutes les sections dans le même sens pour que ce soit plus simple, et pour ça j'utilise des petites résistances comme repères. Je découpe le surplus de carton et on va pouvoir passer à la phase suivante. On va donc devoir découper 25 fils noirs, 25 fils rouges et les dénuder au debout. Bon, j'avoue, c'est pas le moment le plus fun de la construction, mais pas vraiment le choix. Donc on essaye d'optimiser ça au mieux
un espèce de Fordisme barbu, si vous préférez. On va donc étamer les connexions, les pastilles sur le strip de LED, c'est-à-dire déposer un peu de soudure pour faciliter la soudure avec le câble qui sera fait après. J'ai séparé les deux éléments, la masse d'un côté avec les câbles noirs et le point chaud avec les câbles rouges de l'autre côté. Ainsi, on réduit les risques de court-circuit avec deux soudures à faire à quelques millimètres les uns des autres. Une fois l'étamage effectué, il ne vous reste plus qu'à souder les 50 câbles sur les différents contacts de votre strip de LED, transformé en presque truc carré. Pour connecter tous ces câbles, je vais découper deux bandes dans une plaque de prototypage et souder tous les câbles noirs ou rouges sur une même bande. Toutes les pastilles sur la longueur sont connectées, donc il vous faut juste passer chaque câble dans le trou, les aligner et les souder. Enfin, je connecte un câble plus long de chaque couleur pour le brancher sur le dimmer et tester le dispositif. Et comme à mon habitude, je connecte les deux câbles dans le mauvais sens. Donc c'est juste la troisième fois et heureusement pas de conséquences dramatiques. Il me suffit de remettre les câbles dans le bon sens et de tester le système. Je branche et victoire ! Le strip de LED transformé en carré marche super bien. Le dimmer permet de contrôler l'intensité. Et nous voilà prêts à entamer la deuxième partie de cette construction d'ici quelques semaines. Et ben voilà, ça a pris une petite heure, ça a coûté 15€ et vous avez réussi à vous fabriquer votre carré de LED pour faire une super lumière comme au cinéma. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin d'énormément de matériel et c'est relativement simple. Dans la deuxième partie, qui sera en ligne d'ici quelques semaines, on va faire la construction du cadre et du pied. Ou peut-être je vais juste adapter un pied de micro ou un truc dans ce genre-là. On verra. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas à nous contacter. Donc le mail, Twitter, Facebook, même si j'y vais pas souvent. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, partager massivement, bien sûr, cet épisode. Et évidemment, si c'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne Tontube. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs, qui nous permettent, en nous donnant quelques euros par mois, d'acheter du matos comme par exemple les LED, le dimmer ou le transfo, et recevoir 4 jours avant tout le monde, c'est-à-dire le dimanche au lieu du jeudi, le nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Ben voilà, un petit épisode sympa, pas très long, pas très difficile, qui nécessite pas énormément de matériel, mais qui est super pratique. J'espère que ça vous aura plu. En attendant le prochain épisode, faites des trucs, et que la barbitude soit avec vous.